soul. I live for you alone. Pour nous envoyer loin, pour nous permettre d'évoluer. Alléluia. De la même manière, on a besoin des épreuves pour se rassurer que les enfants à l'école apprennent leurs leçons. De la même manière, Dieu a besoin d'épreuves pour nous forger, pour nous fortifier, pour nous amener de victoire en victoire. Amen. On a parlé de deux catégories d'épreuves. On a parlé de la première catégorie d'épreuves qui est le manque des besoins essentiels. Le manque des besoins essentiels, ce sont les besoins indispensables à nos vies. Des besoins qui ne sont pas des luxes pour nous, comme la santé, comme à manger, comme à boire, comme payer son loyer, comme se marier. Ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas un luxe de se marier. C'est un indispensable parce que Dieu nous a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que deux valent mieux qu'un. Donc, il y a tous ces besoins-là. On a dit pour régler ces types de catégories de besoins, il ne faut surtout pas murmurer, il ne faut surtout pas se plaindre. Alléluia. Il faut plutôt crier à Dieu, crier à lui. Il ne faut pas dramatiser la situation parce que lorsque d'autres personnes sont éprouvées, lorsqu'il manque des choses essentielles, ils dramatisent tellement les choses, ils rentrent dans ce qu'on appelle l'anxiété. Et du coup, c'est plus dur pour eux et ils ne vont pas sortir de là. Ce n'est pas le but des épreuves que Dieu met sur nos vies. Le but des épreuves que Dieu met sur nos vies, c'est pour nous exaucer. Dieu, il fonctionne comme avec ses enfants. C'est-à-dire, il te met dans une situation compliquée, mais en même temps, il te donne la solution pour sortir de cette situation. Mais tu ne sortiras pas tel que tu es rentré dans la situation. Tu sortiras plus grandi, plus béni de cette situation. Alléluia. Et c'est un principe du divin, c'est un principe qui régit ce monde. Et ceux même qui ne connaissent pas Dieu savent que toute difficulté nous rend plus fort. Quelqu'un pouvait dire que ce qui ne me tue pas me rendra meilleur. Alléluia. Dieu n'amène pas des choses difficiles pour nous tuer. Il amène des choses difficiles pour nous rendre meilleurs. Alléluia. Et ces gens de preuve, qu'on le veuille ou pas, on ne peut rien contre, on passera toujours par des moments, des temps de preuve. Qu'on soit riche, beau, pauvre, ou pas bien, ou à la tête du pays, ou en bas du pays, peu importe. On va passer par des temps d'épreuve que Dieu va amener pour nous rendre meilleurs. Alléluia. La deuxième catégorie d'épreuve, c'est celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui, qui va nous permettre d'ajouter ce complément sur l'action des grâces. C'est l'épreuve du pas assez. Le pas assez, c'est une épreuve aussi que tout le monde vit. C'est-à-dire tu as, mais ce n'est pas beaucoup pour toi. Tu as un peu d'argent, mais ce n'est pas assez par rapport à la vision que tu as de ta vie. Amen. Tu as certaines choses, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas beaucoup pour toi. Tu es dans une relation, mais l'amour qu'on te donne dans cette relation n'est pas assez. Amen. Tu as des enfants, mais les enfants, comme ils sont, ce n'est pas assez pour que tu sois fier d'eux. Tu en veux plus. Tu es dans une maison, mais la maison n'est pas assez bien pour te permettre d'être heureux. Donc, beaucoup de personnes vivent ce genre de situation. Alléluia. Quand nous avons regardé le peuple juif dans le désert, Dieu leur a amené la manne, mais juste pour ce qu'ils avaient à manger le jour et pas plus. Donc, des fois, on vit des situations où Dieu ne donne pas beaucoup. Il donne seulement le juste besoin. Il donne seulement ce qui est nécessaire. Il ne va pas plus loin. Et des fois, certaines personnes rentrent dans l'épreuve. Ils sont frustrés. C'est dur pour eux. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est difficile. Je suis avec lui. Il ne m'aime pas vraiment. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Et d'autres, le pas assez devient pour eux rien immédiatement. C'est-à-dire du fait que ce n'est pas assez pour eux, c'est rien. Il a un salaire de 200 000. Et il a un loyer qui est à peine 180 000. Il va dire, ce n'est pas assez. Donc, il va dire, qu'est-ce que tu touches? Je ne touche même rien. Ce n'est même rien ce que j'ai. Et beaucoup de personnes fonctionnent ainsi dans l'esprit du pas assez. Mais Dieu fait exprès. Alléluia. Il fait exprès de ne pas nous donner beaucoup. Alléluia. Je dis même plus loin. En fait, lorsqu'on demande à Dieu d'intervenir dans nos vies, par rapport à une situation, il ne viendra pas nous donner ce qu'on espère directement. Il va nous donner le pas assez de ce qu'on espère. Alléluia. Tu veux te marier, il va te donner un homme, mais il ne sera pas comme tu espères forcément dans tous tes rêves. Amen. Il va donner le pas assez, le petit de l'homme que tu veux. C'est-à-dire le petit niveau de ce que toi tu désires dans tous tes rêves les plus fous. Mais en réalité, dans ce petit niveau qu'il te donne, il y a le beaucoup à l'intérieur. Alléluia. Et c'est ce que d'autres ne le réalisent pas. Ils ne savent pas qu'à chaque fois que Dieu te donne un peu, en fait, il t'a donné beaucoup. Mais toi, tu ne le vois pas beaucoup parce que tu ne vois pas beaucoup parce que tu t'attends à beaucoup. Toi, tu regardes un peu. Si Dieu veut te rendre millionnaire, il va commencer à te donner 100 000. Ces 100 000 fois, on va passer par un processus dans lequel Dieu fonctionne. Le processus de la multiplication. Alléluia. Dieu n'additionne rien. Et j'avais expliqué la dernière fois. Dieu n'additionne rien. Pour te rendre riche ou bien pour te sortir d'une situation où tu as besoin de beaucoup, Dieu ne va pas te donner beaucoup. Il va te donner un peu et il va multiplier le peu qu'il t'a donné.
pour que ça devienne beaucoup. Il agit dans l'action de la multiplication. Même quand on regarde la nature fonctionne sur la base de la multiplication. Amen. Les maïs ou les graines de blé que Dieu a semé à la création du monde, il n'a pas semé d'autres. C'est ces graines de blé depuis la création du monde qui se sont multipliées et qui nous ont donné des graines de blé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc, il n'y a que de la multiplication. Les premiers hommes, ils étaient deux au départ. Il n'y a que eu de la multiplication jusqu'à ce qu'on ait atteint combien de milliards d'hommes. Il n'y a pas eu, Dieu n'a pas à chaque moment mis des hommes sur la terre pour combler la terre. Il a seulement créé le pas assez et le pas assez s'est multiplié. Amen. Et quand on ne comprend pas cela, il y a beaucoup de choses qu'il apporte à nous que nous méprisons. Nous disons, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas assez, ce n'est même rien. Moi, je veux plus. Et beaucoup sont frustrés et éprouvés parce qu'ils s'attendent à trop. Ils s'attendent à beaucoup. Et qu'ils ne considèrent pas le peu dans lequel Dieu les met. La Bible dit que si tu es fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Alléluia. D'autres commencent le ministère et quand ils ont 2, 20, 30 personnes, ils regardent le ministère de l'autre, il a 8000 personnes. Ils voient que comme pour lui, c'est rien. Amen. Mais pour atteindre 8000 personnes, il faut commencer par 30. Alléluia. Dieu ne va pas t'amener 8000 personnes directement. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il fonctionne par le processus de l'escalier. On commence par la première marche et on monte. Amen. Alléluia. Amen. On commence toujours par. Dieu ne te fera pas sauter de la première marche à la dernière marche. Parce que ce parcours-là est important pour toi. Amen. Important pour te préparer à chaque grâce qu'il te donne. L'épreuve nous prépare à la bénédiction. Alléluia. L'épreuve nous prépare à la bénédiction. Si tu n'es pas éprouvé, si Dieu te bénit, la bénédiction va être une malédiction pour toi. Ça va te fatiguer et ça va te détruire. Et c'est comme ça que beaucoup ont été détruits quand ils ont forcé la bénédiction. En allant chercher eux-mêmes ailleurs sans passer par Dieu. Alléluia. Donc le pas assez, c'est la manifestation de Dieu. Il fonctionne par la multiplication. Il fonctionne toujours par la multiplication. Ce qu'on a compris dimanche passé, c'est que lorsque Dieu t'envoie le pas assez, il ne faut surtout pas mépriser le pas assez. Alléluia. Tu n'as pas un grand salaire. Ça ne te permet pas d'avoir des voitures ou de voyager dans le monde entier. Ou bien ça ne te permet pas de payer la scolarité de tes enfants à temps ou ton loyer. Ce n'est pas grave. Quand je dis ce n'est pas grave, c'est ne te plains pas. Ne te dis pas que ce n'est pas assez. Ne rentre pas dans un système de quelqu'un qui souffre ou de quelqu'un qui ne réalise pas ce qui se passe. Amen. Et beaucoup rentrent dans ce processus-là. Alléluia. Beaucoup rentrent dans cela. Dès qu'ils arrivent à ce niveau-là, ils ne considèrent plus rien. Ils se disent, je n'ai plus rien. Je n'ai pas. Je ne possède pas. Je n'ai pas assez. Alléluia. Mais vous devez comprendre que ce que vous appelez peu pour vous, ça, il faut le réaliser, est beaucoup pour quelqu'un. Alléluia. Mais comme l'homme a une nature d'insatisfait, l'homme est un grand et un expert dans l'insatisfaction. Les animaux même sont mille fois mieux que l'homme. L'homme a une nature d'insatisfait. Rien ne satisfait l'homme. Il va avoir la chose qu'il a le plus rêvé. Demain, il méprisera cette chose parce qu'il voudra une autre chose. Alléluia. C'est pour cela que vous devez comprendre que dans ce genre de situation, quand nous nous sommes à un niveau, on se dit, ce n'est pas assez. Il ne faut surtout pas mépriser. Dieu a donné la manne. Israël voulait une terre où coule le lait et le miel, c'est-à-dire Canaan. Mais Dieu a commencé par leur donner la manne. Alléluia. Avant de les amener à Canaan. Alléluia. Dieu va toujours commencer par te donner le petit de ce que tu veux en grand. Mais il va après mettre sa main de multiplication pour que le petit devienne grand. Il ne va jamais te donner le grand dès que tu demandes. Et ça, tu dois le comprendre. Dans tes relations avec les gens, il y a des gens qui passent leur temps à se plaindre quand ils sont dans des relations parce qu'ils veulent grand dans leurs relations. Ils veulent beaucoup dans leurs relations. Mais ils n'ont pas appris à voir le meilleur ou le peu que l'autre a et rendre grâce à Dieu pour le peu et à rentrer dans ce processus de multiplication. Comment manifester l'action de grâce qui active la multiplication? Alléluia. Nous avons compris dimanche passé que l'action qu'il faut faire lorsqu'on est dans un état de pas assez, où ce n'est pas beaucoup ce qu'on a, ce qu'on possède, notre argent ou quoi que ce soit, c'est déjà de ne pas murmurer. C'est déjà de ne pas se plaindre. Alléluia. De ne pas murmurer, c'est pas plaindre. On va revenir là-dessus. Mais surtout de rendre grâce. Alléluia. De rendre grâce. Jésus qui devait donner à manger à 5000 personnes et il a demandé aux apôtres, donne-leur à manger. Comment toi Dieu, tu demandes à quelqu'un de faire ci pendant que tu ne lui as pas donné assez? Alléluia.
Et c'est pareil en fait. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu sens dans ton esprit que tu es appelé à faire des grandes choses. Mais ce que tu as n'est pas beaucoup. Écoutez les success stories, c'est-à-dire les histoires des personnes qui ont réussi. Ils ont commencé d'abord de ce qu'on appelle de rien. Les gens ont voyé ça rien, mais pour eux c'était grand. Alléluia. Pour eux c'était grand. Ils ont commencé de rien. Avec un chariot, ils ont payé 10 chariots, après un magasin, après une filiale. Alléluia. Ils ont compris. Et c'est un principe divin. Ce n'est pas un principe qui s'applique seulement qu'aux enfants de Dieu. Quand une personne apprend à rendre grâce à Dieu, au peu qu'il a, Dieu multiplie. Ceux qui se plaignent ne sortent jamais de leur situation. Ceux qui passent leur temps à dire que je n'ai pas, ce n'est pas bon, ça ne va pas, ils ne sortent jamais de leur situation. Au contraire, la situation s'empire. Regardez les gens qui souffrent. Ce sont les plus grands plaignants. Ce sont les plus grands, ce sont les personnes qui se plaignent beaucoup. Et la parole de Dieu dit, l'action de grâce multiplie. Quand Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, ce qui n'était pas assez pour les apôtres, il a dit, l'apôtre Philippe a dit, mais comment on va nourrir toutes ces personnes avec 5 pains et 2 poissons? Ils sont 5 000. On va les nourrir comment? Mais il n'a pas compris. Jésus a dit, donnez-moi ça. Il a rendu grâce et il a nourri tout le monde. Alléluia. Tout le monde a eu à manger. Alléluia. Il a nourri tout le monde. Tous ceux qui étaient là ont eu à manger. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une action de grâce qui a permis la multiplication. Alléluia. Et vous devez comprendre cela. Amen. Donc, pour que Dieu multiplie le peu que vous avez, vous devez rendre grâce à Dieu. Vous savez pourquoi, quand on mange, on rend grâce à Dieu? C'est pour que Dieu nous en donne encore. Alléluia. Quand nous mangeons, parce que d'autres sont rentrés dans un esprit religieux, ils prient juste parce que par religion. Si je ne prie pas, peut-être que je vais être empoisonné, ou bien j'ai péché, ou bien ainsi de suite. Non. L'action de grâce veille à ce qu'on a eu aujourd'hui puisse en revenir demain, puisse se multiplier. Alléluia. L'action de grâce, quand tu te lèves le matin, après avoir dormi toute une nuit, pendant que tu étais semi-mort, parce que quand on dort, on est semi-mort, on ne sait pas si on est quelque part ou on n'est pas quelque part. Si quelqu'un vient nous couper la gorge, nous a coupé la gorge, on ne peut même pas savoir. À chaque fois que tu te lèves et que tu respires à nouveau et que tu retrouves tous tes esprits, tu dois rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui ne vivent pas longtemps parce qu'ils ne savent pas rendre grâce à Dieu à un jour qu'il ajoute à leur vie. Alléluia. Ils n'arrivent pas à rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils n'ont pas qu'ils oublient ce qu'ils ont. Et ils ne rendent pas grâce pour le peu qu'ils gagnent. C'est pour ça que le peu qu'ils ont ne se multiplie pas. Au contraire, ils commencent à le perdre. Alléluia. Donc quand tu te lèves le matin, merci Seigneur de m'avoir donné la santé et la vie. Alléluia. Même quand tu as 1 000 francs, il y a deux qui disent c'est mon seul billet. Je n'ai que 1 000 francs. Je suis seulement au 20 du mois. Non. Tu vas rester avec tes 1 000 francs là. Un d'abord, ça va finir. Et puis, tu n'auras plus rien jusqu'à la fin du mois. Tu vas vivre dans la galère. Rends grâce à Dieu. Parce que les 1 000 francs que tu attrapes, il y a des gens qui n'ont pas vu ça depuis longtemps. Alléluia. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu pour le peu qu'on a. Le peu qu'on a. Alléluia. Donc, l'action de grâce. À chaque fois quand on se retrouve dans le pas assez, dans ce qu'on estime n'est pas suffisant pour nous, rendons grâce. Rendons grâce à Dieu. Remercions-le pour lui, pour ce qu'il a fait. Alléluia. Et je disais tout à l'heure, quand on est dans un sens de situation où il nous manque et qu'on demande à Dieu d'agir, il va nous demander qu'est-ce que tu as. Et beaucoup disent, je n'ai rien. Beaucoup disent, je n'ai pas. Je n'ai pas, Seigneur. Tu me dis de faire une mission dans le pays pour évangéliser les gens. Mais Seigneur, je n'ai rien. Alléluia. Et moi, je vous dis déjà, préparez-vous. Parce que, Abba Shalom, on va aller dans l'intérieur du pays. On va y aller. On va y aller. Vraiment, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Amen. J'attends juste le temps qu'on finisse le projet EICA. Et que j'espère, par la grâce de Dieu, 2020, on va rentrer dans notre volet apostolique ou missionnaire. 2020 ou 2021, ça va dépendre du Seigneur. On va rentrer dans ce volet-là où on va voyager. On va partir dans le pays, annoncer l'évangile. Aller donner le peu qu'on a. Alléluia. Ce qui est rien pour toi est quelque chose pour quelqu'un. Et tu dois le savoir. Alléluia. Voilà. Donc le verset qu'on a lu pour la Mishpah, Deutéronome 28:11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles.
Il te comblera de bien en te, c'est pas en te donnant beaucoup de bien, en multipliant le peu que tu as. C'est comme ça qu'il va te combler de bien. En multipliant ce que tu négliges, il va te combler de bien. De même si c'est 1000 francs, ne néglige pas. Considère-le. Parce qu'il a dit dans sa parole en Matthieu 13, 12, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc si tu dis à Dieu, tu n'as pas, le peu que tu as là, tu vas le perdre. C'est ce que le verset veut dire. Si tu dis à Dieu, je n'ai rien, le peu que tu as, tu vas te perdre. Si tu passes ton temps à te plaindre de ta femme qu'elle n'est pas parfaite, tu vas la perdre. Si tu passes ton temps à te plaindre de ton mari qui n'est pas parfait, tu vas le perdre. Le peu qu'il te donne en amour, tu vas voir, au lieu de t'aimer, il va commencer à te haïr. Au lieu de se rapprocher, toi, il va commencer à s'éloigner de toi. Parce que tu n'as pas pu réaliser le peu qu'il te donne comme amour. Comment tu étais tellement exigeante ou exigeant, tu veux tellement beaucoup que tu ne réalises pas le peu que Dieu te donne au travers de cette relation. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup se trouvent des foyers catastrophiques. Parce qu'ils ne regardent pas ce que Dieu leur donne. Ils ne voient même pas le peu qu'ils ont. L'attention, peut-être que le mari, le petite attention qu'il a. Mais il veut tellement une histoire à l'eau de rose qu'il ne réalise pas le peu que cet homme-là fait, que Dieu fait dans leur vie. Et beaucoup se retrouvent surendettés même pour leurs finances, ainsi de suite. Donc la clé, c'est de rendre grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit, rendez grâce en toutes choses à Dieu, bien sûr, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc comment manifester l'action de grâce qui active la multiplication? Comment le manifester? Je vais toucher seulement un des volets pour parler de ça, parce que je ne vais pas parler de comment faire cette action de grâce. Je vais plutôt parler de qu'est-ce qui tue l'action de grâce, qu'est-ce qui rend efficace l'action de grâce. Alléluia. Qu'est-ce qui empêche de rendre grâce à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui empêche de rendre grâce à Dieu? Donc les 5 oppositions, les 5 opposants à l'action de grâce. Alléluia. Normalement, vous avez compris ce message. Mais si vous ne réalisez pas les ennemis de l'action de grâce, vous allez avoir du mal à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Vous allez avoir du mal à rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui sont des plaignants ou des plaigneurs, je ne sais pas si ça se dit, professionnels. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de se plaindre seulement. L'un des ennemis, c'est la plainte. La plainte. La Bible dit en Éphésiens 5, 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ceux qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Lorsqu'une personne se plaint, elle tue déjà l'action de grâce en son cœur. Normalement, un enfant de Dieu ne doit pas se plaindre de quoi que ce soit. Il doit en toute chose rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il ne doit pas se plaindre. D'autres pensent qu'en se plaignant, ils sont en train de bien faire. Certains utilisent les plaintes pour s'apaiser. Mais c'est une grave erreur. Tu seras apaisé, mais tu auras perdu quelque chose. Alléluia. Tu seras apaisé, mais tu auras perdu quelque chose. Faire un reproche, c'est différent d'une plainte. Un reproche a un but constructif. Une plainte a un but de colère, de vengeance, d'évacuer sa colère. Un reproche a un but constructif. Tu dis à l'autre, non, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord, mais parce que tu veux construire. Mais quand tu dis à l'autre, ce que tu m'as fait, ça m'a vraiment fait mal, j'étais assis, ça m'a fait mal, tu ne cherches pas à construire, tu restes à mettre l'autre mal. Amen. Ou quand tu dis à Dieu, vraiment, je n'ai pas, je souffre, comment tu m'as enlevé de ce du monde pour m'envoyer ici pour souffrir, tu es en train de te plaindre, mais tu n'es pas dans une action de grâce. Alléluia. L'action de grâce, c'est le fait de poser un acte de reconnaissance envers Dieu. C'est le fait d'exprimer des paroles de reconnaissance envers Dieu. Ça peut être un acte ou ça peut être une parole. Mais elle est surtout action de grâce lorsque on manifeste avec un cœur reconnaissant. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui rendent grâce à Dieu, mais ils ne sont pas en fait reconnaissants. Dans leur cœur, ils ont soif de d'autres. Ils ont soif de plus. Ils veulent plus. Ils ne réalisent pas ce qu'ils ont. Ils sont cabrés sur plus. Câblé sur plus. Amen. Donc, c'est des paroles de reconnaissance envers Dieu.
C'est des actes de reconnaissance envers Dieu. Des fois, ces actes-là peuvent être posés en posant une action, en priant une enveloppe, venant à l'église donner, en ouvrant la bouche, en chantant des cantiques de louange à Dieu et de reconnaissance à Dieu. Alléluia. En ouvrant la bouche, en donnant des paroles de reconnaissance. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie parce que tu es bon pour moi. Je te rends grâce pour le peu que j'ai. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et si tu rentres dans les plaintes, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des personnes qui savent se plaindre d'une manière détournée. Elles sont en train de parler, mais au fond d'elles, il y a des plaintes. Il y a d'autres mecs qui n'ouvrent pas la bouche, mais leurs pensées sont des plaintes. Alléluia. Donc, il faut faire très attention. Dès que vous rentrez dans les plaintes, vous tuez la puissance. Vous n'aurez pas le courage de rendre grâce. Vos yeux ne verront pas ce qui doit vous pousser à rendre grâce à Dieu. Si tu vois tout le verre à moitié vide, tu ne pourras pas être reconnaissant envers Dieu. Si tu vois tout ce que tu n'as pas, alors tu ne pourras pas être reconnaissant envers Dieu. Tu ne sais pas le peu que tu as. Il cache en réalité le grand que tu cherches. Amen. Alléluia. Le peu que tu as cache en réalité le big que tu veux. Mais beaucoup ne le voient pas. Quand il regarde le peu, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? Quand les Juifs ont regardé la manne, ils disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va faire quoi avec? Nous, on veut manger les poulets, on veut manger les grandes nourritures. Tu nous amènes la manne. Et beaucoup sont comme ça. Ils ne voient pas en Dieu le peu qu'il leur accorde. Alléluia. Ils ne voient pas. Alléluia. Ils ne voient pas. Même la santé est une grâce. Amen. Le fait d'avoir les deux jambes est une grâce. Les deux pieds est une grâce. La dernière fois, j'ai regardé un documentaire. Et ce documentaire-là m'a beaucoup attristé. Et j'ai encore réalisé que Dieu est bon envers moi. Alléluia. Amen. Mais ces personnes étaient tellement remplies de reconnaissance que je me dis, waouh. Mais c'est qu'il n'y a pas un niveau où tu peux arriver pour dire, je n'ai pas de moyen de rendre grâce à Dieu. C'était un jeune bienfaitant et tout, qui roulait et qui avait fait un accident. Et il avait perdu l'usage de ses pieds. Donc sa colonne vertébrale avait été touchée. Il ne pouvait plus s'asseoir. Quand on l'assoit, il ne tombe pas devant. Et quand tu voyais, c'était un chauffard, les gars de jeunes qui vont dans les fêtes et tout ça. Et il partait, il était footballeur en plus. Et il partait voir ses amis. Heureusement, par la grâce de Dieu, ses amis ont été vraiment autour de lui pour l'aider, pour lui permettre de se remonter. Mais tous ceux qui étaient dans la voiture n'avaient rien, sauf lui. Et un jeune en pleine santé se retrouve sur le fauteuil roulant. Il ne peut rien faire, même s'habiller. Il ne peut même pas porter des habits. Il ne peut même pas aller aux toilettes seul. Il faut qu'on le soulève. Il avait une copine qui l'aimait toujours, mais elle devait le soulever pour aller aux toilettes, l'habiller et tout faire. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais les gens se plaignent, pourquoi? Amen. Et il y avait une autre jeune fille, pour elle, c'était encore pire. Elle ne pouvait même pas toucher un téléphone. Le jeune ne pouvait manier sa main. Elle-même, ses mains, elle ne pouvait pas les manier. Elle aussi, elle avait fait un accident. Elle ne marchait pas, elle ne pouvait pas manier ses mains. Un moment, elle a fait asseoir, elle s'est pliée comme ça, comme un sac. Tellement le dos ne tenait plus. Et j'étais là, je dis, waouh, Seigneur. Et les gens se plaignent dans leur vie. Pourquoi? Alléluia. C'est parce que vous ne voyez pas tout ça là. Vous êtes tellement centré sur ce que vous désirez que vous passez votre temps à vous plaindre. Si vous changez de méthode, si vous commencez à rendre grâce à Dieu, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la multiplication. La multiplication de votre santé. La santé n'est pas quelque chose qui est acquise. Elle n'est pas acquise. Alléluia. Sachez que tout ce qui se passe dans nos vies se renouvelle chaque jour. Amen. Si tu as la santé aujourd'hui, Dieu te la redonne demain. Amen. Chaque jour ça se renouvelle. Rien n'est maintenu. Tous les jours ça se renouvelle. Demain ça peut ne pas être renouvelé. Et c'est là que les gens tombent malades. C'est là que d'autres meurent. Mais d'autres ne savent pas ça. Ils pensent qu'ils ont maintenu leur santé. Tu es qui? En un rien de temps, tu peux perdre ta santé. En un rien de temps, tu peux être invalide. Ça a été pour les gens. D'autres pensent que tout ce qui arrive aux gens, c'est pour les autres. Ça ne peut pas les arriver. Donc, ils sont en train de vivre d'une manière orgueilleuse, sans se soucier de celui qui renouvelle tous les jours la santé, la grâce, même la vue. Pour voir, le fait de voir, c'est une grâce. Alléluia. Et on se plaint tout le temps. Le fait même d'avoir quelqu'un qui a daigné se marier avec nous et vivre avec nous, ou même quelqu'un qui veut marcher avec nous pour le mariage, c'est une grâce. Mais toi, tu passes ton temps à te plaindre. Oh, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ci. Tout le temps à te plaindre.
Mais au lieu que ça évolue, je vous dis, il y a des relations qui étaient de Dieu, mais tellement tu n'as pas été reconnaissant dans ces relations-là, elles ont craché. Elles ont été détruites. Moi, une chose que je déteste, c'est les plaintes. Alléluia. Parce que si je commence à me plaindre, c'est que ce n'est plus bon pour moi. J'estime qu'il n'y a pas d'intérêt dedans. Mais je n'arrive pas à ce niveau. Parce qu'en toute chose, je trouve le moyen de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il y a toujours quelque chose dans l'affaire qui t'intéresse, qui te fatigue là, qui doit te permettre de dire merci Dieu. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont les plus malheureux de ce monde. Mon frère, tu n'as pas encore vu vrai malheureux. Tu n'as pas encore vu. Tu penses que tu es le plus malheureux ou la plus malheureuse. Tu as un pitié professionnel. Mais tu n'as pas encore vu les vrais malheureux. Quand on va te montrer un vrai malheureux, tu vas savoir que toi, tu es vraiment béni par Dieu. Mais c'est parce que tu es dans la convoitise. C'est parce que tu veux tellement plus que tu ne te rends pas compte que tu as déjà assez. Amen. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour tes yeux qui voient. Rends grâce à Dieu pour tes oreilles qui entendent. Alléluia. Rends-lui grâce et tu auras la multiplication. Amen. Tu vas voir jusqu'à ce que tu meurs. Parce que tous les jours, Dieu multiplie. Dieu ramène, renouvelle ta vue. Parce que la vue peut se perdre du jour au lendemain. Tout ce qu'on a ne tient qu'à un fil. Rien n'est conservé dans une tour. Même le milliardaire. Amen. On a eu des présidents. Déjà le président d'ici et le président du Maroc qui ont eu des AVC. Mais quel argent ils n'ont pas? Amen. Quel argent ils n'ont pas? Quelle santé ils n'ont pas? Quel médecin ils n'ont pas? Mais ils ont eu des AVC. Donc vous devez réaliser vraiment que vous ne devez plus vous plaindre. Vous devez apprendre à rendre grâce. Quand une situation veut vous dépasser, en fait, Dieu vous éprouve, mais le diable veut vous pousser à la plainte. Dès que vous plaignez, c'est fini, la multiplication se bloque. Elle ne passe plus. Tu veux avoir un nouveau téléphone, ne te plains pas de l'ancien que tu as. Ça, c'est quel téléphone ça? Les Chinois, les Turcs, puis tu jettes ça. Tu ne vas jamais avoir de nouveau téléphone. Il va rester avec toi jusqu'à on va le voler. Et puis tu as ton venir les petits téléphones de 15 000 là. C'est ça que tu auras après. Amen. Il faut rendre grâce à Dieu pour chaque téléphone. Peu importe, même si ça te appelle les gens tout seul, même si ça coupe les appels, même si tu ne peux pas lire, ce n'est pas grave. Bénis Dieu, je t'assure. Il y a des gens même qui ne peuvent même pas appuyer une touche de téléphone parce qu'ils n'ont pas 5 francs pour en acheter. Alléluia. Mes chaussures, mes habits, je n'ai pas d'habits. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce que je n'ai pas d'habits. Alléluia. Tu dois rendre grâce à Dieu avec le peu d'habits que tu as. Alléluia. Sachez que dans des endroits dans le monde, une goutte d'eau, il y a des gens qui ne peuvent pas voir ça. Ils cherchent pour boire. Toi, tu te laves avec ça. Tu laves même tes habits avec. Quelqu'un qui veut boire pour vivre. Et toi, tu te plains. Sachez que dans certains pays, quand tu dis Jésus, on te décapite. Mais toi, tu te plains. Jésus, depuis que tu es dans ma vie, je ne vois rien changer. Amen. Mais d'autres qui sont là-bas, là, un d'abord, ils ne voient rien changer, et puis leur vie est en danger. Mais dans ça, là, ils louent Jésus. Alléluia. Ils rendent grâce à Dieu pour ce grand sacrifice. Amen. Ne te plains plus. Dis à ton voisin, ne te plains plus. Amen. Tu ne lui as pas bien dit. Ne te plains plus. Dieu répond, je fais la promesse de ne plus me plaindre. Il faut bien parler. Tu n'as pas parlé, je n'ai pas entendu. Je fais la promesse de ne plus me plaindre. Amen. Il faut faire cette promesse-là. Alléluia. Parce que quand tu te plains, il n'y a pas d'action de grâce et rien ne se multiplie. Au contraire, tout va décroître dans ta vie. Amen. Non, ne te plains plus. La deuxième chose, c'est l'inquiétude. Vous savez, celui qui s'inquiète ne réalise pas ce qu'il a. Amen. Celui qui s'inquiète ne réalise pas qu'il a quelque chose. Donc du coup, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pendant que tu es dans l'inquiétude. Le diable sait que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La Bible dit. Donc, il va t'amener dans l'inquiétude. Comment je vais faire? Comment? Mais quand tu es resté dans comment tu peux remercier Dieu? Tu ne peux pas. Parce que tu es en train de penser à ce que tu dois avoir. J'ai dit la dernière fois qu'en un jour, Dieu peut changer la situation de quelqu'un. Un seul jour. Pourquoi tu te plains? Aujourd'hui, tu peux être rien et demain être quelqu'un. On n'a pas vu Gassama? Il a seulement grimpé un humain. Nous tous ne sommes pas allés grimper. Amen. Il a juste grimpé un humain pour sauver un enfant. C'est même pas si c'était vrai ou c'était faux. Mais le gars est devenu riche.
En un jour, il ne savait pas qu'il grimpait le meuble là, c'était sa vie qui allait basculer. Amen. Et ça peut t'arriver. En un jour, Dieu peut changer ta situation. En un jour, Dieu peut te permettre de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire qui va booster ta vie, changer ta situation. En un jour, Dieu peut t'amener un coup de fil qui va changer ta situation. Pourquoi tu t'inquiètes? En un jour, Dieu peut changer la personne qui te fatigue. Il peut changer la personne. Dieu change. Et il est le seul qui détient la puissance qui permet d'améliorer les gens. Améliorer les gens. Alléluia. Moi, je sais qui je suis, qui j'étais et qui je suis devenu après Dieu. Et j'ai vu beaucoup de personnes changer devant mes yeux avec la puissance de Dieu. Amen. Alors, il peut tout faire. Donc, tu ne dois pas t'inquiéter. Il te dit en Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières de supplication avec des actions de grâce. Il ne faut pas t'inquiéter. Si tu t'inquiètes, tu ne rendras pas grâce à Dieu. Si tu te soucies, tu ne rendras pas grâce à Dieu. Il y a une chose qui est dans l'inquiétude, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est la peur de ce qui va arriver. Mais la chose n'est pas encore arrivée. Pourquoi tu as déjà peur? Amen. Laisse le temps passer. Tu verras que Dieu peut changer. Des fois, on n'est pas poussé à rendre grâce à Dieu parce qu'on s'inquiète trop. Il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup, qui sont professionnels dans l'inquiétude. Dès que quelque chose se passe, elle n'a pas encore, elle a pas fini de se dérouler. Ils sont déjà dans la finalité et une finalité grave. Alléluia. Tu n'as pas à manger aujourd'hui, ne t'inquiète pas. La Bible dit, ne t'inquiète pas de faire connaître à Dieu ton besoin et de lui rendre grâce pour son intervention. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce parce que tu me sortiras de là. Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas d'argent. Ce que j'ai actuellement n'est pas assez pour terminer mon mois. Je te rends grâce pour le peu que j'ai. Je ne m'inquiète pas de mon mois. Je sais que je terminerai mon mois. Dans ton mois, tu peux avoir un imprévu qui va bouffer ton salaire. Quand c'est comme ça, ne t'inquiète pas par la suite. Rends grâce à Dieu et tu verras la multiplication. Tu verras. Qui t'a dit que c'est ton salaire seul qui va t'apporter de l'argent? Il y a des gens qui ont résumé Dieu au travail. Ah non. Il y a des gens qui ont résumé leur source d'argent à leur travail. Je vous assure, Dieu peut te bénir de tout type de sources possibles. Alléluia. Amen. Donc ils se disent, si je ne travaille pas, je ne pourrai pas gagner. Oui, c'est bien, mais Dieu peut te faire gagner sans que tu vois ou sans que ça ne vienne de ton travail. Alléluia. Donc l'inquiétude nous empêche de rendre grâce à Dieu. L'inquiétude nous empêche de rendre grâce à Dieu. Moi, je déteste aussi m'inquiéter. Quand je suis face à l'inquiétude, je me sens déjà mal. L'esprit qui est en moi n'est pas à l'aise avec l'inquiétude. Alléluia. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais prier. La Bible dit que quand tu inquiètes, prie. Parce que la prière a une puissance de ôter l'inquiétude. Quand tu ouvres la bouche, tu dis, Seigneur, voilà la situation que je vis. Aide-moi à sortir de là. Tu reçois sa paix. Et tu dis, je te rends grâce pour ton intervention. Alléluia. On ne rend pas grâce pour la situation. On rend grâce pour l'intervention. Amen. Amen. Un autre élément, c'est l'ingratitude. L'ingratitude nous empêche de pouvoir rendre grâce à Dieu. C'est quoi l'ingratitude? L'ingratitude, c'est le fait de ne pas reconnaître la main de Dieu. De ne pas reconnaître que c'est Dieu qui a fait. Et beaucoup sont ingrats. Ils sont beaucoup ingrats. Amen. Quand ils ne rendent pas grâce à Dieu, ils sont tellement centrés sur ce qu'ils veulent obtenir qu'ils ne réalisent pas que Dieu leur a déjà fait. On a l'histoire des 10 lépreux. Luc 17, 11. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre Samarie et la Galilée. Comme il rentrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Pendant qu'ils allaient, il fut guéri. Et l'un d'eux, voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils?
Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Et puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quand vous comprenez cette histoire, vous comprenez que les 9 autres n'ont pas maintenu les guérisons. Ils ne sont pas sauvés. Amen. Jésus a guéri 10 lépreux. Quand ils sont venus vers lui, ils ont dit, interviens. Il a dit, allez-y voir le sacrificateur. Quand ils sont partis, ils ont vu qu'ils ont été guéris là-bas. Pendant qu'ils ont été guéris, les autres sont partis. Et un seul est revenu pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Quand on est dans l'ingratitude, il y a des gens qui sont ingrats de nature. Ils sont tellement centrés sur ce qu'ils doivent obtenir qu'ils ne réalisent pas ce que Dieu a déjà fait pour eux. Et ils ne savent pas remercier Dieu pour ça. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils croient même plus au hasard qu'à Dieu. Alléluia. Ils croient plus au hasard qu'à Dieu. Quand quelque chose leur arrive, ils pensent que c'est un hasard. Ils ne pensent pas que c'est Dieu qui a intervenu. Moi, j'ai une mémoire très bonne pour les bienfaits de Dieu. Alléluia. Et j'ai une mémoire très faible pour le mal que j'ai subi, pour les épreuves. Je ne retiens pas beaucoup tout ce qui m'est arrivé de difficile. Alléluia. Si tu m'expliques de t'expliquer des mauvaises expériences que j'ai vécues, je ne saurais pas t'expliquer. Mais il y a des gens qui peuvent te donner les détails de tout ce qu'ils ont vécu de dur. Des détails jusqu'à dans le fin fond de la situation. Moi, je n'ai pas une bonne mémoire pour les choses que j'ai vécues de mal. J'ai une très bonne mémoire pour les bonnes choses que j'ai vécues. Je me rappelle bien de ce que Dieu a fait. Donc, à chaque fois quand des situations arrivent, je dis, ah, Dieu avait déjà fait dans une situation pareille. Et je lui rends grâce. Et je suis reconnaissant envers lui. Alléluia. Beaucoup sont ingrats. Vous voyez des gens pleurer. Mais quand ils pleurent, mais Dieu a déjà fait beaucoup pour eux. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait si. Ils sont là, oui, mais il a fait. Mais aujourd'hui, maintenant, il doit encore faire. Mais toi, tu ne finis pas par comprendre que tu es très ingrat. Tu es ingrat. Et beaucoup sont ingrats. Ils veulent tellement beaucoup ou plus qu'ils ne réalisent pas sur le peu que Dieu a fait pour eux. Ils veulent tellement plus qu'ils ne savent pas dire merci à Dieu pour le peu qu'ils ont. Alléluia. Et c'est de l'ingratitude spirituelle. Et un ingrat ne peut pas rendre grâce à Dieu. Si tu es ingrat, tu ne peux pas rendre grâce. Tu vas rendre grâce pourquoi? Puisque tu ne reconnais pas ce qu'il a fait. Amen. Puisque tu ne vois pas jusqu'à là ce qu'il a fait. Il y a d'autres qui sont à l'église hein, depuis qu'ils se sont convertis. Ils se disent que jusqu'à là Dieu n'a rien encore fait. Ils attendent plus de la part de Dieu. Mais il a déjà beaucoup fait. Ouvre tes yeux, tu verras qu'il a fait. Amen. Alléluia. Il a déjà fait. Ils veulent des histoires puissantes et miraculeuses d'un coup qui tombe sur eux. Ils veulent pas la manne, mais ils veulent le gros. Qui vous a dit Dieu donne le gros? Et si tu n'as pas compris ça, tu vas être ingrat. Tu ne vas pas être reconnaissant envers Dieu. Il y a d'autres, quand ils sont malades, ils sont découragés. Ils ne réalisent pas que Dieu leur a donné des santé pendant beaucoup de temps. Alléluia. Des fois, Dieu te rend malade juste pour te reposer un peu. Alléluia. Juste pour te régénérer. Mais certains ne savent pas ça. Amen. Ou pour te parler. Des fois, Dieu envoie tout dans le désert pour mieux nous parler. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre quand tout va bien chez toi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire quand tout va bien chez toi. Amen. C'est quand ça ne va pas qu'il peut te parler. Et des fois, il a besoin de t'emmener dans le désert, c'est-à-dire dans l'épreuve, pour pouvoir te parler. Donc, sors de l'ingratitude. Sois reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait. Et l'autre élément, c'est la suffisance. Il y a d'autres qui se disent que tout ce qu'ils vont obtenir, ils doivent l'obtenir d'eux-mêmes. Donc, du coup, quand ils arrivent, ils ne réalisent pas qu'il n'y a rien que tu n'aies reçu qui ne vienne de Dieu. Rien. Je disais la dernière fois que même si tu dis que, parce qu'il y a d'autres qui disent, quand on leur dit, mais comment vous avez réussi? J'aimerais dire à ceux qui veulent comme moi de travailler dur, parce qu'il faut travailler dur pour réussir. Je dis quoi? Allez-y à mon boîte, ceux qui soulèvent les charrettes. Tu es sûr que tu travailles dur que? Tu vois le soleil sur lequel ils travaillent? Tu peux travailler sur ce soleil-là. Si on t'a donné 2 jours seulement de leur emploi, on va t'hospitaliser. Mais est-ce qu'ils ont beaucoup plus d'argent que toi? Non. La réussite, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Tu peux travailler dur et puis rester pauvre. C'est une grâce. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Ça veut dire, en réalité, même si tu as travaillé dur, la force pour aller travailler dur, là, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. C'est pas toi-même. C'est Dieu qui t'a donné la force. Si tu penses que si tu n'as pas la santé, tu peux travailler dur. Amen. Donc, il te dit que tout ce que tu arrives à acquérir, c'est lui. Il y a des gens qui sont tellement suffisants qu'ils ne réalisent pas. Parce que tout ce qui se passe dans leur vie, pour eux, c'est eux. Dieu n'a rien fait. Ils ne réalisent pas que c'est Dieu qui a agi. Donc,
Donc du coup, ils ne sont pas poussés à rendre grâce à Dieu. Jusqu'à ce qu'il va arriver un temps de confusion dans leur vie. C'est là qu'ils vont comprendre qu'ils sont rien et qu'ils n'ont rien. Alléluia. Ils vont comprendre qu'ils sont rien et ils n'ont rien. Et que toute chose qu'ils ont, c'est Dieu qui permet. Alléluia. Donc, si tu réalises cela, si tu n'es pas suffisant, tu vas comprendre, même quand tu as fait des efforts pour avoir, tu dis, tu rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train de terminer tout ce que j'écris des romans chrétiens. J'ai terminé un de mes romans. Donc, quand je l'écrivais, arrivé un moment, j'ai dit, waouh, mais c'est extraordinaire ce que tu as écrit. Je me suis même applaudi. Amen. J'ai dit, ah, mais Donat, tu es intelligent. Après, j'ai dit, Dieu, pardon, c'est toi qui es intelligent. Parce que ce n'est pas moi. Amen. Amen. C'est pas moi. C'est pas moi. Parce que quand j'ai réalisé le roman, j'ai dit, non, quand il va sortir, ça va faire un boom. Amen. Mais en même temps, j'étais dit, waouh, mais comment tu as pensé à cette histoire-là, à ce niveau-là? J'étais tellement émerveillé, mais j'étais en train de réaliser que je suis émerveillé par la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est moi qui ai écrit, hein, mais c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a dicté. Parce que moi-même, je sais là, je n'ai pas d'intelligence. Je n'ai pas d'intelligence. Et j'étais en train de dire, Seigneur, je te glorifie vraiment pour le fait que tu as une puissance de sagesse comme ça que tu peux transmettre à l'homme. C'est pour ça que quand je regarde les avions, quand j'étais parti en France, quand je regarde la création, tout ce que les gens ont fait, j'ai dit, waouh, Dieu, tu es puissant. Amen. Je ne disais pas que les blancs étaient puissants, comme tout le monde savent le dire ici. Les blancs sont intelligents. Eux, ils prennent la sorcellerie pour évoluer. Qui vous a dit ça? Amen. Amen. C'est Dieu qui est sage. Alléluia. Moi, je ne peux pas aller féliciter une voiture pour dire, oh, tu es trop forte, ma voiture. Mais c'est la personne qui a fait la voiture là que je dois féliciter. Amen. 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 Ou bien? C'est celui qui a fait la voiture que je dois féliciter. C'est lui qui est intelligent. Ce n'est pas la voiture qui est puissante. Amen. C'est lui qui est puissant. Amen. Amen. Donc Dieu est puissant. Et nous ne devons pas être suffisants. Amen. C'est pour ça que Dieu résiste aux orgueils, fait grâce aux humbles. Parce que beaucoup sont orgueilleux et sont suffisants. Ils se disent, tout ce que j'ai, je dois aller le chercher moi-même. Ils n'ont pas compris que même si tu le trouves, ça ne va pas se multiplier. Parce qu'il faut rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont compris le principe de l'action de grâce. Ils ont compris l'importance de dire, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un. Ils appellent ça la chance. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. C'est ce qu'ils disent. Mais pendant qu'ils ont travaillé dur, ils disent qu'ils ont eu beaucoup de chance. Quelque part, leur esprit reconnaît que ce n'est pas eux. Amen. Et l'autre élément, c'est l'insatisfaction. Amen. Tue l'action de grâce. Quand tu veux toujours plus, tu ne pourras jamais rendre grâce à Dieu. Quand tu en veux beaucoup, pendant que tu as déjà un peu, tu ne pourras jamais rendre grâce à Dieu. Tu es malheureux parce que ce que tu as là, tu veux plus. Tu veux toujours plus. Tu veux plus et plus et plus. Donc du coup, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pendant que la parole nous dit, de Dieu dit en Hébreux 13, 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. La Bible dit en Proverbe 15, 27, celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Donc ça veut dire que la Bible te demande de te contenter de ce que tu as. Apprends à te réjouir du peu que tu gagnes. Apprends à te réjouir du peu que la personne que tu aimes te donne. Alléluia. Et rends grâce à Dieu pour ça. Apprends à te réjouir du peu que tes enfants sont. Amen. Vous savez, deux fois les maîtresses, les parents, beaucoup de personnes veulent vous pousser à ne pas réaliser la grâce de Dieu dans vos enfants. Oh, elle n'apprend rien. Elle est trop bandite, elle est trop distraite. C'est ce qu'on vous dit à l'école. Et vous dites, hey, Dieu, tu m'as donné quel type d'enfant? Non, ne dites jamais ça. Amen. Il y a des parents qui sont trop forts pour ça. Faites attention. L'enfant que vous avez là, vous ne savez pas qui il est. Quand moi, quelqu'un même me disait encore aujourd'hui là, oh, Anna Sephora est trop distraite. Je dis, ça va aller. Elle va s'en sortir. Alléluia. Personne ne va me pousser à mépriser la grâce que Dieu m'a accordée d'avoir un enfant rempli d'intelligence. Alléluia. Amen. Mais des fois, les gens du monde vont vous pousser. Eux, vous serez là et ça va vous monter contre l'enfant. Et vous allez pouvoir, vous allez commencer à vous retirer de l'enfant. Vous n'allez pas être réjouis. Les enfants viennent pour réjouir le cœur des parents. Peu importe comment ils sont, ils vont réjouir votre cœur. Alléluia. Mais on va vous amener à les voir comme des
des causes perdues, à les voir comme des tollés, à les voir comme... Et beaucoup de parents se plaignent, oh, se plaignent et se plaignent de leurs enfants au lieu de rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui paient des milliards pour avoir un seul enfant, ils n'en ont pas. Et vous ne savez pas, l'enfant peut être très turbulent aujourd'hui, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est caché dans cet enfant. Vous ne savez pas. L'enfant fait toutes les bêtises d'aujourd'hui, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est dans cet enfant. Demain, vous allez être confondu. Cet enfant que vous avez vu comme peut-être une bête peut être un enfant extraordinaire. Et si vous ne voyez pas, vous ne rendez pas grâce à Dieu pour l'enfant, pour le peu qu'il a, ne cherchez pas à regarder le beau côté qu'il a, l'enfant ne va pas se multiplier. C'est-à-dire que il ne va pas se développer dans les bontés. Au contraire, plus tu te plains de ton enfant, plus il devient pire. Amen. Quel parent qui a remarqué ça? Plus tu te plains de l'enfant, plus l'enfant te fatigue. Il te fatigue encore plus parce que tu ne rends pas grâce. Or, quand on ne rend pas grâce, au lieu que les choses se multiplient positivement, ça se multiplie négativement. Ça décroît. Quand tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ton enfant qui te fatigue jusqu'à te donner une migraine, Dieu va commencer à changer l'enfant. Alléluia. Il va multiplier le peu qu'il y a en l'enfant et ça va évoluer. L'enfant n'est pas à s'interroger, oh, dernier de la classe, tout dernier de la classe. Oh, ton enfant, vraiment, il faut peut-être trouver quelque chose pour qu'il aille à l'école, mais aller ailleurs, mais l'école là, je pense que ce n'est pas pour lui. Il ne faut pas suivre. C'est le diable qui est en train de pousser à détruire quelque chose que Dieu t'a donné. Amen. Rends grâce à Dieu. Dis à la personne, non, ne dis pas ça. L'enfant là va se relever. Alléluia. Moi, la preuve, j'étais au primaire jusqu'au CM2. J'étais moyen. 4, bon, nous, les moyens, c'était sur 10. Donc, j'avais 4 de moyenne. Si j'avais 3 ou 5 de moyenne, j'étais très moyen. Dès que je suis rentré en 6e, j'ai commencé à être le premier de ma classe. Les parents ne pouvaient pas savoir. Premier de ma classe jusqu'au 6e comme ingénieur. Est-ce qu'on pouvait savoir que je pouvais être l'être? Non, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, avec toutes les capacités que Dieu me donne, écriture, beaucoup de choses que j'arrive à faire, mais est-ce que mes parents réalisaient ce que j'avais? Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir. Regardez vos enfants avec les yeux de Dieu. Regardez-les avec les yeux de Dieu. Ne laissez pas le diable vous pousser à les voir comme des souffrances ou comme des pètes. Amen. Ne laissez pas les gens se plaindre d'eux à vos côtés et n'acquiescez pas ce qu'ils disent. Alléluia. N'acquiescez pas. Apprenez à vous contenter du peu qu'ils arrivent à être. Pour le peu qu'ils arrivent à faire. Et rendez grâce à Dieu. Parce que quand tu veux plus, tu ne vois pas le peu que tu as. Et si tu ne vois pas le peu ne pourra pas se multiplier. Alléluia. Amen. Ça, il faut le réaliser, hein. Alléluia. Tu en es là aujourd'hui parce que tu n'as pas su rendre grâce. Tu étais un plaignant professionnel. Tu te plaignais tout le temps. C'est pour ça que les choses n'ont pas évolué dans ta vie. Alléluia. Voilà comment nous devons manifester l'action de grâce pour activer la multiplication. Alléluia. Pour activer la multiplication. Faisons attention. Le monde, les gens autour de nous, les situations vont nous amener à nous plaindre. Vont nous amener à voir qu'on n'a rien. Vont nous amener à mépriser le peu qu'on a. Parce que l'ennemi connaît le principe de la multiplication par l'action de grâce. Alléluia. On va prier. Alléluia.